Bonjour, bonjour. Nous sommes au jardin de Michel, dans la Serre. Alors, nous sommes le 17 janvier. Et donc, à la fin de l'automne, j'avais repiqué, on avait d'ailleurs repiqué ensemble des scaroles, des antifrisées et des chicorées sauvages. J'ai fait des semis aussi, plantations d'oignons, semis de mâches. Donc j'avais un peu promis de refaire le point avec vous au courant de l'hiver et voilà, le moment est venu. Voilà, donc les oignons Shakespeare, donc oignons d'hiver, ont bien levé. Donc, c'est à partir de bulbes. Et entre deux, semis de mâches, mâches de Hollande, une grande feuille. Voilà, donc, ça n'est pas encore. On ne va pas encore en manger, puisque je consomme d'abord celle de pleine terre. Et d'ici, même pas un mois. On va pouvoir consommer celle qui pousse ici, en serre. Par contre, j'en avais semé en alvéole et j'avais repiqué ici sous la tablette de semis. Et voilà, celle-ci, on va pouvoir la consommer puisqu'elle est devenue bien grande. Voilà. J'avais laissé en poquet. Et ici, c'est de la mâche de cambrai. Voilà, qu'on peut aussi éventuellement consommer. Bon, revenons un peu aux scaroles. Voilà, ça pousse tout doucement, puisque, bon, c'est quand même l'hiver. Et, bon, on a de temps en temps des températures négatives, même en serre. Mais cela ne perturbe en rien la pousse lente mais certaine des scaroles. Donc on peut voir même celle-ci ici, elle donc, commence à paumer. Je pense bien que ce sont des scaroles en cornet, donc qui vont faire une pomme en tournant. Par contre, d'autres. Donc, sont plus plates. Et c'est plutôt des. Comme ici, celle-ci, c'est la maraîchère. Donc, de temps en temps, j'enlève aussi quelques petites feuilles abîmées dans le bas pour donner aux poules. Et si je viens un peu d'enlever le mouron qui poussait entre deux. Donc, voilà, j'ai. Un seau complet de pousses de mouron. Donc, je vais donner ça aux poules, là, tout à l'heure. Donc, chicorée sauvage, chiochia. Voilà, la rouge, là. Donc, je n'ai que deux exemplaires. Et la chicorée sauvage verte à grumeaux. Voilà, celle-là, elle pousse bien aussi. Même en pleine terre. Donc j'avais repiqué un peu des laitues tête de glace. Bon voilà, ça pousse tout doucement. Il y a quelques touffes de persil. Voilà, et ici c'est une partie que je n'ai pas encore désherbée, donc je vais laisser. J'enlève un peu à la fois pour donner aux poules. Alors, le chou chinois tient le coup, mais est un peu attaqué par les limaces. J'ai l'impression que j'ai pas mal de limaces ici, dans ce milieu de mouron. Donc, bon, un peu à la fois, je vais enlever ça, et voilà. Bon, si c'est un peu trop dentelé, comme ici, voilà, c'est un peu fort attaqué par les limaces.
Bon, ça, je donnerai aux poules et je garderai plutôt les feuilles pour agrémenter les salades que l'on prépare. Ici, contre la vitre, c'est plutôt des laitues de printemps, donc une laitue toute saison, donc apia, 4 saisons et reine de mai que j'avais repiqué. Voilà, quelques choux. Bon, ça ne bouge pas grand chose. Et ici, j'avais carrément coupé à ras la ciboulette chinoise. Donc, c'est une ciboulette plate, feuille plate. Voilà, on voit que ça repousse. Et à côté, quelques échalotes. Donc, ça nous servira pour manger en verdure. Alors là, en dessous, des touffes de persil, ça pousse tout doucement aussi. Et quelques endives frisées. Donc tout ça, ça poussera beaucoup plus à la fin de l'hiver. Donc on aura ça bien avant les premiers semis de laitue que l'on fera à la fin du mois ici. Voilà, tout ça, ça va pousser. Et ça sera récolté pour les salades à la fin de cet hiver. Bon, ben on va les donner ça aux poulettes. On va voir si ça sera bien accueilli. Allez les cocottes, on vient manger. Ah, voilà. Oh, quelle aubaine. Ça sera aussi un petit festin. Donc on recommence à pondre là maintenant. Elles sont réemplumées et dévorent bien les verdures apportées. Elles adorent ça. Bonjour, nous sommes dans la serre de Michel. Donc, nous sommes le 9 février et voilà, on a deux belles rangées ici de mâches, donc de la salade de blé. Donc je vais commencer à cueillir parce qu'elle devient vraiment très belle. Et donc maintenant, les températures commencent à augmenter en serre, donc à partir de mi-février. Plutôt fin janvier et début février, les températures dans la serre peuvent s'élever parfois jusqu'à 15-20 degrés. Et ça, c'est un peu beaucoup pour la mâche. Et comme elle est belle, grande assez pour consommer, donc je vais commencer à éclaircir. Donc j'enlève par-ci par-là quelques plantes les plus belles, afin de les consommer. Donc ça fait de superbes mâches, vraiment sans beaucoup de déchets. Donc toutes les feuilles sont magnifiques, donc pas abîmées ni par le gel ni par les limaces. Pourtant il doit y en avoir ici des limaces, mais bon, apparemment ils n'ont pas vraiment touché. Donc c'est important aussi d'éclaircir pour que on enlève les plus belles et ainsi les plus petites auront de la place pour se développer. Voilà, ça nous fera un beau saladier de mâches. Et je viens aussi de récolter des chicons, donc chicorée de Bruxelles, que j'ai forcé
chez moi, à l'intérieur. Et voilà, avec de la mâche, ça sera un bon petit plat, une bonne petite salade à déguster. On peut voir qu'ici c'est assez touffu, donc je vais un peu enlever les plus beaux. Et laisser ainsi de la place pour les plus petites qui vont encore se développer. Alors tout ça ici, petite semaine, ça va devenir à nouveau magnifique et grande assez pour consommer. Et voilà, pendant que nous y sommes, on va aussi récolter une paire de scaroles et une endive frisée. Donc là aussi, voilà, ça a été planté ici fin du mois d'octobre. Et on avait fait ça ensemble et voilà, ça devient déjà magnifique. Donc les autres ont encore poussé. Ici, on a quelques chicorées scaroles encornées. Donc ça va bien tourner et faire de belles pommes. Donc je vais aussi récolter une belle endive frisée. Peut-être prendre celle-ci. Voilà, prendre un peu de place pour les autres. Voilà, on peut encore grandir, mais voilà, ça fait quand même encore un peu de verdure, de salade. Donc à l'extérieur, donc toutes les scaroles et endives ont été consommées et une partie abîmée par le gel. Donc j'ai pu en consommer longtemps, encore en sous tunnel. Alors ici, maintenant j'attaque ceux de la serre. Donc et à Albec, on a aussi encore pas mal de scaroles et endives frisées en serre ainsi que de la mâche. Voilà, bon petit repas plein de crudités au mois de février. Voilà, je vous souhaite aussi un bon appétit. Bonjour, nous sommes dans la petite serre au jardin d'Albec. Nous sommes le 19 février, un beau rayon de soleil en plus. Donc on a un peu essuyé une tempête là hier et là aujourd'hui on entend d'ailleurs les oiseaux chanter. Et bon, il y a beaucoup de personnes qui me demandent la suite des cultures en serre. Et bon, j'ai déjà un peu montré, enfin filmer ce que j'avais chez moi en serre. Mais alors bien sûr au jardin d'Albec on a fait pareil, donc on a aussi rempli les serres et je vais peut-être un peu vous montrer ce qui pousse pour l'instant. Donc principalement on a des scaroles encore, donc quelques scaroles genre géantes maraîchères qui sont derrière les grillages, qui sont un peu plus plates. Et ici, ce sont plutôt des scaroles encornées. Donc celle-là, c'est un peu plus tardif et elles viennent beaucoup plus belles. C'est un peu comme presque comme des laitues paumées. Voilà. Donc avec un beau blanc à l'intérieur, enfin blanc-vert. Et
Là, d'ici une semaine ou deux, on va pouvoir les manger. Donc, c'est des plus tardives. Les autres sont un peu plus... Ils risquent de monter un peu plus vite. Alors ici, ben, je crois que c'est toi, Véronique, qui avait repiqué ça ici, le persil. Voilà, ici. Donc, les belles petites touffes de persil. Et ici, moi, j'avais repiqué du cerfeuil qui s'était ressemé là-bas. Et voilà, j'ai repiqué deux petites lignes là. Et voilà, on peut déjà en faire. On peut déjà cueillir un peu par-ci par-là quelques feuilles. J'en ai déjà cueilli pour faire du potage. Donc, potage au cerfeuil, délicieux. Voilà. Alors, ici, de l'autre côté, donc là, j'avais repiqué des choux. Donc, voilà, ici, ce sont des choux-fleurs gératifs de Malines, je pense, ou d'Erfurt, c'est un des deux. Voilà, on voit vraiment que ça commence vraiment bien à pousser. Hein, ça commence à faire un peu à tourner. Donc, mais là, il faudra encore attendre mars-avril hein, pour avoir le chou-fleur. Donc, j'avais aussi mis quelques choux blancs. Donc, des choux blancs hâtifs. Donc, ça, c'est aussi à consommer en salade, en verre. Quoi. Donc, ici, j'avais planté des bulbilles d'oignons. Donc, des oignons d'hiver. Donc, c'est des oignons Shakespeare. Donc, ça va donner à partir de mai-juin. Donc, des beaux oignons. Pour manger frais, donc c'est pas des oignons à conserver, c'est vraiment à consommer en premier. Alors entre deux, j'avais fait des semis de mâche. Et ici, ben voilà, elle devient vraiment magnifique. Et on a déjà passé deux fois à éclaircir, donc on vient retirer ici les plus belles, hein, comme ça, on vient tirer les plus belles. Et on laisse les plus petites encore pousser. Donc on a déjà éclairci deux fois. Et les rangées ici sont encore à nouveau bien fournies. Donc c'est un petit truc, c'est-à-dire que si on attend trop longtemps, ça risque de monter à graines. Parce que maintenant, en serre, les températures peuvent monter de 15 et parfois même 20 degrés, des journées ensoleillées. Et là, la mâche, ça n'aime pas trop ça. Donc... il faut vraiment la consommer maintenant. Donc une fois que ça sera pratiquement parti, ici les rangées, ou bien s'il en reste plus que quelques-unes, ici au milieu, entre chaque double rangée de mâches, je vais venir semer des carottes hâtives. Donc des carottes à forcer. Donc je vais faire une bande comme ça d'une dizaine de centimètres de large et semer entre deux. Donc là, carottes et... Ensuite, si la mâche est partie, on pourrait repiquer quelques pieds de laitue, donc qu'on sèmera seulement maintenant. Voilà, donc déjà pas mal. Là. Alors ici, j'ai un peu nettoyé un petit coin où c'était un peu envahi. Bon, voilà, des semis de salade aussi, mais bon, qui n'étaient plus trop belles. Donc j'ai un peu tout enlevé. Et j'ai fait une petite place là pour repiquer des laitues. Et c'est ce que je suis occupé de faire. Donc ce sont des laitues qui viennent de la serre ici. Donc là ce sont des reines de mai. Donc je vais en prélever là un petit peu pour venir compléter la ligne qui est incomplète. Donc ça, voilà, c'est aussi une culture qu'on fait ici en plein hiver. Donc ça a été semé en octobre. Donc au moment où j'ai semé la mâche, c'était même fin octobre, et donc les petits plants sont là, magnifiques, et maintenant ils viennent prendre la place là, donc voilà, c'est tout des belles salades qui vont ici pousser en serre très vite. Ben voilà, on va les prélever ça. Voilà, donc ici ce sont des reines de mai. Et alors ici, j'ai encore de l'apia. Donc l'apia, c'est aussi une laitue qui convient bien pour
les fins d'hiver, début de printemps. Donc c'est une laitue blonde comme ça, et qui pomme bien. Tandis que la reine de mai, elle est un peu plus verte, avec des reflets rouges, une fois que la pomme se forme, mais elle monte assez vite à graines. Donc c'est quelque chose, bon, qu'il faut... c'est une laitue de printemps en fait. Donc il ne faut plus ressemer ça maintenant. Enfin, on peut semer maintenant, mais par la suite, bon, il vaut mieux passer à des toutes saisons. Donc ici, voilà, ça c'est déjà, je ne sais plus si c'était des apia ici que j'ai repiqué. Voilà, ils sont déjà magnifiques. Donc ici, on va laisser pousser, et une fois que ça commence à gêner, on va enlever une sur deux pour consommer. Ben voilà, donc ici je repique ça assez près. Encore une fois, on peut par la suite éclaircir. Donc on enlevait une sur deux. Alors ici au jardin d'Albec, et bon, chez moi aussi, quand je repique des salades, je n'arrose pas. Donc c'est repiquage à sec. Et ce n'est que bon, une semaine ou deux après que, bon, bien sûr en serre, il faut un coup quand même arroser. Mais pour la reprise, on n'a aucun problème avec ça. Donc, un peu en quinconce, donc comme ça. Comme ça, parce qu'elles se développent, elles viennent s'intercaler les unes dans les autres. Voilà, les laitues de printemps, les laitues maison. Donc bien sûr, comme maintenant, j'ai déjà recommencé à semer des laitues chez moi, donc en caissette. Et bien sûr, ils viendront aussi compléter les serres au fur et à mesure. Et dès qu'on a une petite place, donc il y a déjà des petites places qui se dégagent, là. On a enlevé les scaroles ou les endives frisées. Et ça, on pourrait aussi faire quelques semis de laitues. Là, des laitues printanières ou toute saison. Et voilà, ça permettra ensuite de repiquer, de compléter chaque fois les endroits où on a prélevé des salades pour manger.